Oui, bah du coup, ouais, je m'appelle Louis Falissard et du coup, je fais de la recherche dans les applications de l'apprentissage profond, en gros dans les sciences médicales. Donc, et par exemple, en sciences médicales, vu qu'en fait, l'apprentissage profond, on va voir que c'est assez relié quand même à tout ce qui est métastatistique. Ça s'utilise pas mal en épidémiologie. Et notamment, on a essayé de voir, en fait, de faire une petite étude sur voir comment est-ce qu'on pouvait appliquer donc, ces méthodes donc, qui normalement sont plus appliquées dans les domaines comme l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça en épidémiologie, et notamment dans les études de cohorte et dans la recherche de trajectoires dans ces études de cohorte. Alors, donc tout d'abord, il y a des gens qui l'ont défini très bien avant moi, du coup je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Mais voilà, une étude de cohorte, donc c'est on prend des gens et puis voilà, on mesure une ou plusieurs variables plusieurs fois au cours du temps et puis on se retrouve avec des espèces de trajectoires comme ça. Et donc, après on aimerait bien les analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Une façon de faire, qui permet un peu de simplifier ce problème, qui est compliqué quand même à la base, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas rassembler toutes ces trajectoires dans des groupes et on les rassemble par similarité par exemple. Avec voilà, par exemple des trajectoires qui auraient à peu près la même façon de faire, qu'on mettrait ensemble. Et donc ça en fait c'est ce qu'on appelle, je crois déjà en statistique aussi, mais surtout en machine learning, en fait des méthodes de clustering. Et donc voilà, donc on va parler un petit peu d'apprentissage machine, de voir ce que c'est. Alors il y a énormément de définitions différentes de ce que c'est que l'apprentissage machine. Il y en a qui sont très matheux, il y en a qui sont très info. Mais en fait, tout ce qu'on utilise de nos jours, pratiquement, c'est très statistique en fait. C'est que, donc en gros, il y a pratiquement trois grandes familles d'algorithmes de machine learning. Et en fait, on peut tous à peu près les relier donc, à la régression linéaire, enfin, du coup la régression, de la classification, donc comme par exemple ce qu'on pourrait faire en régression logistique, ou du clustering, donc qui est ce dont on va parler aujourd'hui, qui est voilà, d'essayer en fait, de trouver à partir d'un lieu de données les espèces de groupes de données qu'on peut rassembler par similarité. Donc après, tout le problème en fait du clustering, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'une similarité, qu'est-ce que c'est deux individus qui sont identiques par rapport à un ensemble, à un contexte qu'on est en train d'essayer d'enquêter. Alors voilà, donc tout ça c'est le machine learning en général, et après, depuis 2012 à peu près, on entend beaucoup plus parler de machine learning, et notamment en fait, dans ce qu'on appelle les réseaux neuronaux artificiels et le deep learning, donc ce que j'appelle l'apprentissage profond. Parce que c'est ça qu'on utilise de jour pour faire l'intelligence artificielle de manière à ce qu'on n'avait jamais vu un peu avant, comme par exemple des voitures qui se conduisent toutes seules, voilà, des trucs comme Siri, des choses comme la reconnaissance faciale, Google Translate, et du coup c'est des modèles qui sont particulièrement forts pour imiter l'intelligence humaine, et qui en fait sont globalement basés sur des modèles statistiques en fait. Enfin, simplement c'est on a un jeu de données, on fait une régression sur un truc, et après on se débrouille pour que ça fasse de la traduction de anglais à français par exemple. Alors du coup, on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer ces méthodes, on va voir comment elles marchent un petit peu, essayer de décortiquer ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, pour faire ça, en fait, vu que c'est quand même un peu compliqué à amener comme concept, on va passer par trois étapes. Donc la première, c'est on va voir comment est-ce qu'on fait de l'apprentissage profond pour faire des modèles prédictifs, donc voilà, de la régression linéaire, de la régression logistique. Après, on va voir comment est-ce qu'on peut adapter ces trucs-là pour faire du clustering. Et après, on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça en pratique. Et de manière un peu plus précise, d'ailleurs, il y a en fait ça aussi qui est intéressant aussi pour les études de cohorte, c'est que dans les réseaux de neurones, il y a toute une famille de modèles qui permettent parfaitement en fait de modéliser des séquences de données, des données longitudinales en fait. Et du coup, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces choses-là pour du coup voilà, faire des modèles prédictifs et du clustering de données longitudinales. Alors du coup, on va commencer par la régression et l'apprentissage profond. Alors on va commencer en fait par un exemple très simple que vous connaissez sûrement tous, c'est la régression linéaire. Et bon, ça semble peut-être un peu basique comme truc, mais l'idée c'est que les idées de la régression linéaire sont toutes présentes dans un modèle de réseau de neurones en fait. Du coup, c'est important, ça fait une bonne base en fait pour après aller sur des choses un peu plus compliquées. Du coup, comment est-ce qu'on fait une régression linéaire? Donc je rappelle juste l'enjeu, c'est on a un nuage de points et on veut tracer une droite qui épouse le mieux le truc. Alors on va commencer en fait donc par rassembler les opérations, rassembler un jeu de données, donc voilà, avec une variable explicative, une variable expliquée. Et après, en fait, ce qu'on va faire, c'est ajuster un modèle paramétrique sous la forme d'une droite, ça veut dire y égale x plus b. Et du coup, pour trouver cette meilleure droite, on va optimiser une fonction qu'on appelle la fonction objective, qui est une fonction des paramètres de notre modèle, pour trouver justement la solution qui marche le mieux. Dans le cas d'une régression linéaire, on a de la chance, ces paramètres de notre modèle, on peut les estimer de manière analytique avec une expression fermée. Et du coup, il n'y a pas besoin de s'embêter, par exemple, à implémenter un algorithme d'optimisation, et tout va bien, et la vie est belle. Après, ça marche bien voilà, quand on veut tracer une droite sur un jeu de données, mais la plupart du temps, en fait, bah, dans la vie, les relations entre les données, ce n'est pas des droites, ça peut être des choses plus compliquées, ça peut être des logarithmes, ça peut être des polynômes, il peut y avoir des trucs multivariés avec des espèces de mélanges de plein de choses derrière. Et du coup, voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire la régression linéaire? Alors, en statistique, vous avez plein de méthodes différentes. Nous, en machine learning, il y en a une qu'on utilise beaucoup. C'est ce qu'on appelle les régressions linéaires avec expansion de base. En
fait, dans les pourcentages, en fait, on va toujours continuer à faire une régression linéaire au niveau du machine learning. C'est juste qu'en fait, au lieu de prendre nos variables explicatives comme entrée dans notre modèle, on va utiliser des transformées. Par exemple, au lieu d'ajuster un modèle, une régression linéaire sur des variables, on va l'ajuster sur des polynômes de ces variables, des logarithmes de ces variables, des exponentielles. Et après, en fait, du coup, l'ajustement du modèle est le même. On a encore une fonction objective. On peut encore trouver les paramètres de manière analytique et tout va bien. Là, par contre, il y a un gros problème, en fait, c'est le choix de cette transformée. De là où on voit, par exemple, c'est y égale a fois phi de x plus b. Qu'est-ce que c'est phi? Qu'est-ce qu'on prend comme phi? Est-ce qu'on prend un polynôme? Est-ce qu'on prend un logarithme? Voilà, quand on a un cas de modélisation univariée, en fait, c'est facile parce qu'on peut plotter les données. Et que du coup, on regarde et puis on dit, bon, ça fait une racine carrée, du coup, je vais mettre ça et ça marchera à peu près. Quand on est dans les choses très multivariées, par exemple, voilà, quand on fait de l'analyse d'audio, par exemple, pour faire Siri, 5 secondes d'audio, c'est quelque chose comme 500 000 variables. Du coup, là, on ne peut plus voir ce que c'est que la relation entre les données, si on ne peut pas l'afficher, on ne peut pas le comprendre, c'est compliqué. Et du coup, ces trucs-là, ça ne marche pas. Et voilà, justement, les réseaux de neurones, c'est là pour essayer, en fait, l'apprentissage profond, toute l'idée de l'apprentissage profond, c'est d'utiliser un réseau de neurones pour essayer de déterminer cette transformée non linéaire à partir du jeu de données lui-même. Comme ça, on n'a plus à se poser cette question de quelle non-linéarité choisir. C'est donc un réseau de neurones qui se débrouille pour le faire pour nous, et du coup, ça marche mieux en général. Alors voilà, donc pour un réseau de neurones artificiel, c'est un peu spécial comme concept. Donc on va commencer donc par les bases pour le définir. Alors, qu'est-ce que c'est en fait pour nous, pour un matheux, qu'un neurone artificiel? En fait, en gros, c'est relativement simple, c'est une petite unité comme ça, donc qui prend des entrées, du coup par exemple on va dire dans un modèle linéaire des variables explicatives. Donc là on voit à gauche par exemple on a deux variables explicatives. Donc on prend ça, on prend un biais, on fait une combinaison linéaire de tout ça. Et après, en fait, on va l'injecter dans une petite non-linéarité. Donc c'est un truc très simple, c'est pas ça ne va pas être un polynôme ou quelque chose comme ça, parce qu'il faut que ce soit un petit peu... faut pas qu'il y ait trop de prieurs dedans. Et du coup, typiquement, ce qu'on utilise en fait en deep learning, c'est voilà, les deux fonctions que vous voyez à droite pour ces non-linéarités. Donc on a une tangente hyperbolique, donc qui est un truc classique. Après, on a un truc qui est un peu plus spé, qui est ce qu'on appelle l'unité linéaire rectifiée. Du coup, en gros, c'est juste une fonction qui est nulle sur R-, et qui vaut y égale x sur R+. Et du coup, voilà. Un neurone, ce que ça va nous donner, en fait, c'est juste une fonction non linéaire, une combinaison linéaire de nos variables. Et c'est un truc tout simple comme ça. Et notre fonction non linéaire, elles sont très proches en fait d'une linéarité. Et c'est tout petit et ça fait pas grand chose en soi. Et voilà, un neurone tout seul sans non linéarité sur l'optimiste pour faire un modèle, ça fait une régression linéaire. Si on met une fonction sigmoïde en non linéarité, ça fait une régression logistique. C'est notre variable de sortie en fait est quantitative et qualitative. Pardon. Et donc voilà, ils sont comme ça. Donc ça c'est un neurone, ça sert à rien. Et après en fait, on peut en mettre plein. Et c'est là en fait que les choses commencent à devenir intéressantes, et notamment dans ce qu'on appelle le perceptron multicouche, donc qui est un exemple de réseau de neurones qu'on utilise typiquement pour faire des analyses de régression logistique ou sur variables quantitatives. Alors l'idée, voilà, c'est de partir de nos variables explicatives, encore une fois, de les injecter dans des neurones, donc avec voilà, encore combinaison linéaire de paramètres avec des biais qu'on injecte dans des unités par exemple linéaires rectifiées, et en fait après, on va se prendre la sortie de ce neurone, et c'est là qu'on va ajuster un modèle linéaire sur ces neurones-là en fait. Et du coup, en fait, en gros, on se retrouve avec quelque chose qui est assez similaire avec la régression linéaire, par exemple, c'est qu'on va encore ajuster donc, un modèle linéaire, comme j'ai dit, sauf que cette fois-ci, donc, c'est sur la sortie des neurones, et en fait, on a, donc, vous voyez, en bas, en fait, là, c'est ça que ça donne à peu près l'équation qui correspond à ce réseau de neurones. Et du coup, c'est un peu la même chose encore qu'une régression linéaire, c'est qu'on a une fonction, on a des paramètres, et on va optimiser pour que ça approche le plus aux données qu'on a observées. Et puis bon, alors là, le problème, c'est qu'avant, on avait dit que ajuster un modèle linéaire, c'était très facile parce qu'on pouvait trouver les paramètres sous forme fermée. Là, c'est plus possible. Du coup, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une descente de gradient, c'est un algorithme d'optimisation pour trouver justement ce résultat. Et le problème, c'est qu'en plus, bon, calculer le gradient, ces trucs-là, c'est pas forcément très simple, surtout quand on fait des réseaux plus compliqués. Mais bon, il y a des algorithmes pour le faire, et puis on va pas forcément en parler parce qu'on a pas forcément le temps. Mais voilà, ça, c'est l'idée. Et du coup, ça, c'est une façon un peu de visualiser ce concept, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. On va prendre le réseau de neurones qu'on avait tout à l'heure, donc celui-ci, hein, avec voilà, donc c'est deux variables explicatives, deux neurones, une variable à expliquer. Donc là, pour le coup, qui est binaire, on voit, donc on a, sur la gauche, c'est le jeu de données qu'on va entrer dans le réseau de neurones. Et du coup, on voit, donc c'est un truc qui n'est pas très compliqué, mais qui en soi, en fait, est impossible à modéliser correctement avec une régression logistique, parce qu'il est pas, on ne peut pas, en fait, tracer une droite sur le jeu de données pour séparer les points bleus des points rouges, c'est pas possible. Et du coup, avec une régression logistique, on n'y arrivera jamais. En fait, ce qu'on a à droite, ce qui est plus intéressant pour le coup, c'est la sortie des deux neurones, après optimisation du réseau entier pour justement modéliser correctement notre variable à expliquer. Et en fait, au moins, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tordu le jeu de données d'entrée, en fait,
de manière à essayer de décaler tous les points rouges sur le, en bas à droite, et après de mettre tous les points bleus donc sur les autres, sur les côtés opposés, comme ça. Et en fait, sur ces variables cachées, en fait, ce qu'on appelle donc sur la sortie de ce neurone, bah, maintenant on peut tracer une droite de manière en fait à correctement modéliser l'appartenance rouge ou bleu. Et du coup, voilà, c'est ça qui se passe. Et donc ça c'est un modèle très simple, mais ça permet en fait de visualiser un petit peu comment le truc marche, comment est-ce que ça tord les jeux de données pour arriver en fait après à tracer une droite et à ajouter un modèle linéaire correctement. Et en fait, après, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut faire des trucs plus gros. Et voilà, en fait, on peut ajouter des neurones par couche, on peut rajouter des couches de neurones, on peut en injecter, on peut faire grandir la chose comme ça de manière un peu infinie. Et du coup, en fait, on arrive à des modèles plus puissants. Et du coup, une fois qu'on a plusieurs couches comme ça, on peut arriver en fait à faire des algorithmes, par exemple, qui reconnaissent plein d'images, qui reconnaissent le monde comme nous on l'observe. Donc, on a un des exemples de ça un peu. C'est en fait ce qu'on appelle les représentations internes. C'est justement chaque couche de neurones, elle va être capable de détecter des choses un peu spéciales par rapport à données qu'elle observe. Donc ça, c'est des réseaux de neurones qui sont spécialisés dans la vue, enfin dans l'analyse d'image en fait, quelque part. Ce qui est bien, parce qu'en fait, ça nous permet mieux de visualiser comment est-ce qu'ils organisent les données pour prendre des décisions, pour essayer de modéliser un petit peu ce qu'on leur donne. Et donc ça, c'est la première couche de réseau. Donc par exemple, là, ce serait la couche de 4 neurones qui est tout à gauche, là, en fait, qu'on visualise. Et on voit que eux, par exemple, ils détectent des choses qui sont très simples, ça veut dire des droites, des espèces de blobs, un peu de couleur, mais pas trop, voilà, des choses très très simples. Et en fait, quand on grimpe dans les couches de réseau, comme ça, donc à gauche, là, c'est encore une fois ce que le réseau arrive à voir. Chaque neurone, c'est ce qu'on a à gauche, en fait, c'est une reconstruction des entrées qui maximisent un neurone donné dans une couche donnée. Et donc là, on est sur la deuxième couche, et on voit que tout de suite, là, ce qui fait maximiser un neurone, c'est déjà un peu plus compliqué que ce qu'il y avait dans les premières couches. Et en fait, quand on monte dans les couches supérieures, là, par exemple, on peut voir en bas, bah, il y a carrément des neurones qui deviennent maximum une fois qu'ils voient un visage humain, en fait, pratiquement. Et je sais pas si vous voyez bien, ça va ? Ouais. Tout en bas, alors c'est la troisième à droite, troisième partant de la droite, tout en bas. Ouais, enfin, on voit que c'est des humains, en fait, à peu près. Et voilà, donc en fait, à droite, ce que vous avez, c'est les photos qui correspondent à ces maximisations, et à gauche, c'est la reconstruction à partir d'informations qui est présente dans les activations des neurones, en fait, quelque part, du coup. Et ça part de zéro hypothèse à la base. Ça veut dire que c'est vraiment un réseau avec des paramètres initialisés aléatoirement. On peut optimiser sur un jeu de données de 10 millions d'images, bon, ça coûte cher. Mais, et après, en fait, il arrive tout seul à fabriquer ce qu'on appelle une représentation interne, voilà, des fonctions qui détectent, qui disent, qui sortent en fait une valeur qui est élevée quand il y a une tête d'humain et qui porte des valeurs faibles quand il n'y en a pas. Et donc c'est comme ça que ça marche en gros. Et du coup, comme ça, en fait, on voit qu'on arrive en fait à modéliser des concepts qui sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on serait capable de faire avec, voilà, par exemple, des modèles non linéaires où c'est nous qui choisissons à la base la non-linéarité parce qu'on n'est pas capable de fabriquer nous-mêmes une fonction à la main qui soit capable de détecter les têtes d'humain. Alors du coup, voilà, d'un point de vue un peu théorique, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce truc-là? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est embêtant? Alors ce qui est bien, voilà, c'est un peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a ce qu'on appelle en fait dans les réseaux de neurones le théorème d'approximation universelle. C'est qu'en gros, n'importe quelle fonction continue qui existe dans le monde, de R dans R pratiquement, on peut l'approximer avec un réseau de neurones. Et du coup, ça c'est une bonne chose, parce qu'on peut tout faire. Le problème, c'est que bah, déjà, premièrement, on peut tout faire, du coup, en fait, on va surajuster pratiquement tout le temps, du coup, il faut faire attention à ça, il faut faire de la régularisation, et puis il faut des jeux de données qui sont énormes pour arriver à faire quelque chose de correct. Le deuxième problème, c'est dont je vous parlais, c'est comment est-ce qu'on trouve la fonction paramétrique optimale pour notre réseau, qui permet de mieux modéliser notre problème. Et bon, alors là, déjà, le problème, c'est que cette fonction objective, elle n'est pas convexe, et du coup, en fait, elle est compliquée à optimiser, mais en plus du fait qu'elle soit compliquée à être optimisée parce qu'elle n'est pas convexe, il y a d'autres phénomènes qu'on appelle les phénomènes d'évaporation et d'explosion de gradient, dont je ne vais pas parler maintenant, mais on pourra parler dans les questions si vous voulez, qui, en fait, impliquent que si on optimise ça tout simplement avec une descente de gradient, un neurone comme je vous l'ai montré maintenant, ça ne marche pas, ça prend un temps infini à converger, et ben on n'a pas, on peut pas attendre autant de temps, quoi, ça marche pas. Et du coup, bon voilà, et ça c'était l'état de la science en 90, et du coup, pendant 20 ans, on n'a pas fait de réseau de neurones parce que ça marche pas. En fait, c'est une jolie curiosité théorique, mais ça sert à rien en pratique, du coup on regarde pas. Et puis à partir de 2012, en fait, pendant 10 ans, il y a quoi, 3-4 chercheurs qui se sont dit, bah nous on va continuer à chercher un peu quand même. Et en fait, ils ont trouvé des petits trucs, et en fait, à force de trouver des petits trucs, et ben, ils ont trouvé assez de choses pour réussir quand même à optimiser ces trucs qui sont pas faits pour l'être à la base. Et du coup, en fait, on arrive à faire voilà, des voitures qui se conduisent toutes seules, ou des ordinateurs qui battent les champions du monde de Go. Et c'est ça, en gros, l'idée. Alors tout ça, c'est bien joli, mais ça ne nous dit pas comment est-ce qu'on fait pour optimiser, enfin, pour analyser des données séquentielles ou longitudinales. Parce que, bon, on pourrait toujours se dire qu'on peut prendre un perceptron multicouche, et qu'on peut considérer notre trajectoire comme des vecteurs, et qu'on injecte ça dedans. Sauf que bah en fait déjà en fait ça peut augmenter le nombre de paramètres de manière drastique avec la longueur de la séquence, et en plus
On n'est pas en train de... On est insensible en fait au caractère séquentiel de la donnée que quelqu'un dit tout à l'heure. C'est de dire voilà, que bah, nos observations en fait, elles ne sont pas indépendantes au cours du temps et que, qu'en fait si on fait ça, on les considérait comme indépendantes et du coup ça va pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et du coup là, il y a une petite astuce qui est rigolote pour essayer justement de changer ça sans trop changer la façon de faire des réseaux de neurones. C'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents. Alors, donc là, c'est un... Donc c'est un petit schéma de ce que c'est qu'un réseau récurrent un peu simple. Donc en gros l'idée c'est qu'on a notre trajectoire et qu'au lieu de la donner tout entière à un réseau de neurones, on va donner chaque observation temporelle une par une au réseau de neurones, voilà, de manière temporelle, de gauche à droite comme si on le lisait, et qu'en fait à chaque fois, dans le réseau de neurones, on va rejeter à la fois donc, notre entrée à l'instant T et à la fois la sortie du réseau de neurones à l'instant T-1. Et que du coup on le fait lire comme ça, et que ça nous fait une espèce de fonction qui va... à chaque fois, donc considérer ce qu'elle a fait à l'instant T-1 et l'allier en fait à ce qui se passe à T, et du coup en fait en gros une manière d'interpréter en gros, c'est que dans un perceptron multicouche traditionnel, les paramètres ils sont fixes pour tous les vecteurs qu'on lui donne. Cette fois-ci c'est un peu la même chose, sauf que les paramètres évoluent au cours du temps et en fonction du passé à chaque observation temporelle qu'on a. C'est clair à peu près ce que je dis, ça va ? Donc et voilà, et du coup en fait on va apprendre cette chose là. Et donc on balaye la séquence et après on obtient des sorties comme ça. Et ça me permet de faire ça. Bon, après en pratique, le problème c'est qu'un réseau comme ça, tout simple, ça ne marche pas du tout, pour la même raison que tout à l'heure, mais c'est encore pire. Et du coup, faire un truc un peu plus compliqué, donc on va pas aller trop dans les détails non plus, mais en fait, au lieu de faire un réseau récurrent, on fait ce qu'on appelle une cellule longue short-term memory. Et du coup, en fait, c'est juste qu'il y a plein d'additions et de multiplications et de produits de Hadamard à l'intérieur. Mais en pratique, c'est à peu près la même chose, du coup, ça va. Et du coup, comment après on fait ça, par exemple, comment on utilise ces choses-là pour faire la régression sur une donnée longitudinale, par exemple? Bah, c'est simple, on prend nos variables à expliquer notre trajectoire explicative, on la balaye avec notre réseau de neurones, on sort les dernières activations à l'instant, par exemple, là ici pour X3, et après on va faire, par exemple, une régression linéaire, donc sur cette sortie, où on peut carrément encore l'injecter dans un perceptron multicouche pour avoir plus de puissance explicative pour faire notre régression. Je suis parti dans le sens. Voilà, donc là tout ça c'est très bien, mais tout ce qu'on a dit encore une fois c'est pour faire de l'apprentissage supervisé, ça veut dire voilà, on a une variable à expliquer, on a des variables explicatives, et nous en fait c'est pas ce qu'on veut, même si on peut le faire avec des analogues signales, ce qui est bien, nous ce qu'on veut c'est faire de la recherche de trajectoire, on va faire du clustering comme on a déduit. Le clustering c'est l'apprentissage qu'on appelle non supervisé, dans le sens où on n'a pas de variable à expliquer, on a juste des données, et on essaie un peu de faire un truc pour les décrire, pour les expliquer en fait. Et voilà, l'idée en fait, ce qu'on s'est posé en deep learning, c'est est-ce qu'on ne peut pas adapter ces concepts d'apprentissage supervisé, donc de modèles prédictifs, à l'apprentissage non supervisé en fait. Et du coup, c'est là en fait, quand interviennent ce qu'on appelle les auto-encodeurs, qui sont une extension en fait, des réseaux de neurones pour faire l'apprentissage non supervisé, qui va nous permettre de faire du clustering FM. Alors en gros, comme on l'a pour résumer un peu, du coup, un réseau de neurones, c'est quoi? C'est juste une fonction paramétrique qu'on a optimisée pour approximer donc, une variable à expliquer à partir de variables explicatives. Un auto-encodeur, c'est un peu similaire, mais c'est un peu spé en même temps. C'est un réseau de neurones, sauf que celle-ci, on va l'optimiser pour approximer les variables explicatives à partir des variables explicatives. Alors, ça fait apparaître un peu idiot comme ça, parce qu'on peut dire, ouais, c'est non supervisé, c'est cool, on a résolu notre problème, mais en fait, bon, ça n'a pas trop de sens de faire une régression linéaire de x sur x, ben, en fait, on va tomber tout de suite sur f de x égale x, et puis on n'a rien appris, en fait, c'est pas drôle. Mais en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux histoires d'analyse d'image, c'est qu'on arrive en fait avec des réseaux de neurones à encoder de manière simple des relations qui sont très compliquées dans un jeu de données qui est compliqué. Et est-ce qu'on ne pourrait pas en fait forcer le réseau à apprendre ça sans forcément avoir de décision à prendre à la fin de modèle prédictif? Et voilà, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à un réseau d'apprendre à approximer x à partir de x en le forçant à ne pas être capable d'apprendre l'identité et espérer que ça fabrique des représentations, des façons d'encapsuler les données qu'on mesure de manière intéressante pour notre problème. Et donc voilà. Quand on revient, en fait, voilà, si on a trois variables et qu'on fait des régressions linéaires sur chacune pour essayer de les reconstruire, ben, en fait, il y a une solution triviale qui est l'identité et ça marche pareil. Si on met une couche de réseau entre les deux, mais qu'on met plus de neurones que de variables expliquées, et ben, c'est pareil, en fait, il va toujours se débrouiller pour trouver notre identité. Par contre, là, en fait, où il se passe quelque chose d'un peu intéressant, c'est quand on met moins de neurones au milieu qu'il y a de variables explicatives et du coup à expliquer aussi. Parce que là, en fait, il ne peut plus trouver l'identité, parce qu'il n'a plus assez de neurones dans lesquels stocker l'information de nos variables explicatives. Et du coup, il va être obligé, en fait, de fabriquer
des combinaisons linéaires et non linéaires de nos variables, de les organiser, de fabriquer une espèce d'encodage, de compresser nos données pour pouvoir après les approximer au mieux, les reconstruire au mieux derrière. En fait, d'ailleurs, ça, un réseau comme ça optimisé, comme celui qu'on voit ici, ce qu'on va trouver en fait à la sortie de A3 et A4, ça va être exactement en fait les deux premières composantes principales d'une analyse en composantes principales si on ne met pas de non-linéarité à la sortie des neurones en fait. Ce qui en fait n'est pas forcément étonnant dans le sens où qu'est-ce que c'est qu'une analyse en composantes principales? C'est essayer de trouver les combinaisons linéaires de nos variables qui maximisent la variance sur le jeu de données, qui maximisent la variance conservée. Et là nous ce qu'on veut, c'est trouver des combinaisons linéaires de nos variables qui minimisent l'erreur de reconstruction. Et forcément en fait, si on veut maximiser la variance, derrière en fait on va minimiser l'erreur de reconstruction en fait. Du coup c'est lié. C'est pour ça que ces modèles-là, ça s'appelle, à la base quand ça a été inventé, ça s'appelait des analyses en composantes principales neuronales. Mais sauf que donc ça c'est gentil quand tu mets juste une couche intermédiaire et pas de non-linéarité, mais après en fait on peut faire un réseau plus compliqué. Et du coup, on peut se permettre d'ailleurs dans ce qu'on appelle justement des auto-encodeurs sous-complets, voilà, de mettre en fait un encodeur qui a un réseau de neurones qui est un peu comme on le veut, à une seule condition qu'à la sortie de ce réseau de neurones, il y ait une couche de neurones qui est moins de neurones qu'on a de variables explicatives. Et en fait, après, à partir donc, de cet encodage-là qui est très dense, parce qu'il est plus petit que ce qu'on a au début, on va refaire un réseau de neurones qui va apprendre lui à décoder en fait cet encodage pour retrouver derrière nos variables explicatives. Du coup, en gros, c'est vraiment comme un compresseur et un décompresseur, par exemple pour des données MP3 ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est qu'après, on va extraire, nous, ces deux petits neurones qui sont là, et on va l'utiliser comme un encodage, et que du coup, ça fait une forme compressée de nos données qui prend plus en compte des non-linéarités. Et que du coup, c'est plus simple à travailler. Donc ça, c'est gentil pour l'analyse multivariée, mais en gros, comme on voit, en fait, il y a l'histoire, c'est des encodeurs et des décodeurs. Et en fait, on peut choisir un peu ce qu'on veut comme encodeur et décodeur. Et du coup, on peut appliquer ça aussi sur des données longitudinales, par exemple, en remplaçant l'encodeur par un réseau de neurones récurrents. Et du coup, alors, on se retrouve à ce qu'on appelle un auto-encodeur sous-complet récurrent. Sous-complet, c'est parce que justement, il y a moins de neurones dans la couche intermédiaire qu'il y a de variables expliquées. Du coup, c'est intercomplete, en gros, c'est ce qu'ils disent. Et du coup, alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre trajectoire, on balaye avec un réseau de récurrent, on prend la dernière sortie, on la considère, nous, comme notre encodage, et après, à partir de cette dernière sortie, on va faire des régressions linéaires pour retrouver notre séquence. Alors, on peut faire de deux manières différentes. On peut soit, après, faire une régression linéaire multivariée traditionnelle sur chacune des trucs, chacune des variables, pardon. Ou sinon, on peut encore utiliser un réseau de neurones récurrents, mais c'est plus compliqué, du coup, j'ai pas fait comme ça. Donc maintenant, en fait, on a réussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette espèce d'encodage qu'on a fabriqué, en gros, il est atemporel, parce qu'on a encapsulé, en gros, toute la caractère temporelle de la trajectoire dans des variables multivariées, et sur lesquelles, en fait, maintenant, on peut faire de l'analyse multivariée traditionnelle, avec, par exemple, voilà, des clustering de Camille, ou par exemple hiérarchique ou des choses comme ça. Et du coup, en gros, c'est un peu comme ça qu'on va faire du clustering avec un réseau de neurones pour l'instant. C'est qu'on va, voilà, on va prendre un auto-encodeur récurrent, on va l'optimiser sur nos trajectoires, on va récupérer nos encodages, et après, on va analyser ces encodages comme si c'était un jeu de données multivarié traditionnel sans qu'il y ait de trajectoire, sans qu'il y ait de conception de temporalité à l'intérieur. Et en fait, ce qui est cool, c'est que si on limite notre encodage à être de deux ou trois dimensions, ben on peut faire la visualisation de ce qui se passe à l'intérieur, de comment est-ce que lui voit, comment est-ce que le réseau de neurones, par exemple, voit les jeux de données, en fait. Parce que souvent, essayer de visualiser une trajectoire en regardant juste les courbes, quand il y en a plein, ben on voit pas grand-chose. Alors que là, on voit un peu mieux avec ces choses-là. Alors maintenant, on va passer aux applications pratiques, maintenant qu'on a un peu défini notre méthode. Alors en fait, on va faire deux exemples d'applications pratiques. La première, ça va être du coup ce qu'on va faire, en fait, une validation de la méthode sur un jeu de données réel. C'est qu'on va prendre un jeu de données réel sur lequel il y a déjà eu des méthodes de clustering qui ont été utilisées pour donner des papiers, des choses comme ça. Et on va regarder à quel point est-ce que ce truc, qui peut sembler un peu délirant au premier abord, est-ce qu'il donne les mêmes résultats? Comme sur des cas un peu simples, est-ce qu'on est quand même sur un truc qui est cohérent avec les méthodes statistiques qu'on utilise d'habitude? Parce que c'est important, s'il donne un truc qui est n'importe quoi et qui n'a aucun rapport avec ce qu'on utilise depuis 20 ans, bah ça pose problème, parce qu'on dit pas la même chose, quoi. Et après, en fait, on va essayer de regarder des exemples dans lesquels, en fait, ce genre d'architecture est plus fort, forcément, que les méthodes traditionnelles. Et donc pour ça, bah, on s'est fabriqué un jeu de données simulé, donc forcément qui est simulé de manière à ce que ça marche, mais bon, c'est normal. Alors en fait, comme jeu de données réel, qu'on a pris, c'est la cohorte de 3N, et notamment c'est un petit bout qui est donc l'évolution temporelle de la morphologie au cours du temps chez des femmes. Du coup, on a une cohorte de 80 110 femmes, ce qui est bien, parce que comme je l'ai dit, en fait, si on a trop peu de données, en deep learning ça marche pas, il faut
Bon, minimum absolu, c'est 5000 exemples, du coup là on est quand même bien, c'est bien. Et en fait, en gros, donc, c'est une échelle ordinale de 8 états auto-évaluée, donc extrême finesse à obésité, mesurée à 4 moments au cours de l'existence. Du coup, je crois que c'est rétrospectif, ça veut dire que les gens se rappellent de comment ils étaient quand ils avaient 8 ans ou à la puberté, à 25 ans et 35-40 ans. Et du coup, là, on a des espèces de trajectoires comme ça qui sont ordinales sur 4 états, enfin, avec 4 observations dans le temps. Donc là, voilà, ça, à droite, là, c'est un exemple, qui est un peu rigolo d'ailleurs. C'est un exemple de trajectoire. Et qui sont obtenus, enfin, elles se ressemblent tout un petit peu, enfin, les trajectoires sont beaucoup plus hétérogènes dans le lieu de données, mais ça, en fait, c'est une espèce de tout petit cluster qu'on peut trouver dans un encodage que j'ai fait sur un auto-encodeur, en fait. Et du coup, là, on voit que, dans mon temps, enfin, en gros, c'est un voisinage euclidien du terme, de mon encodage quantitatif, et du coup, ça se ressemble un petit peu. Enfin, peut-être toutes les courbes suivent un peu un même pattern, comme ça, et bon, c'est juste pour l'exemple, hein. C'est joli. Alors, du coup, alors ce qu'on va faire pour essayer voilà, de voir à quel point, pour essayer de comparer justement cette méthode avec notre méthode à nous, enfin les méthodes classiques pardon, avec notre méthode à nous, c'est qu'on va comparer les résultats donc, de deux méthodes classiques de clustering, donc une dont on a déjà parlé ici, c'est donc Troctra et Vansas, et après le package KML de R. On va faire un clustering comme on ferait dans une étude statistique normale avec ces deux méthodes-là, on va le faire avec notre méthode à nous, et puis on va regarder un peu ce qui se passe. Alors du coup, donc, Protra, je ne vais pas m'étendre dessus, on en a parlé très bien au début. Ensuite, nous, par contre, on ne l'a pas fait nous-mêmes, celle-là, en fait, on l'a récupérée d'une étude originale, donc qui est notée ici. Et dans cette étude originale, ils ont déterminé que le nombre optimal de clusters, c'était 6. Et du coup, vu que nous, on récupère celle-là, ben, ça conditionne aussi notre nombre de clusters. Et du coup, ben, on s'est dit, bon, on regarde que des partitions à 6 clusters. Après, KML, du coup, en fait, ce qu'on appelle un Kamin longitudinal. Kamin, c'est un algorithme qui utilise des notions de similarité, par exemple, de distance euclidienne pour fabriquer des clusters. Normalement c'est plutôt adapté à l'analyse multivariée parce que voilà on parle de géométrie en fait et que là en fait on extend la notion de distance entre des points multivariés à la notion de distance entre séquences de manière vectorielle en fait hein, et c'est comme ça qu'on fait un algorithme de clustering. Alors la méthode qu'on a utilisée pour trouver la partition à partir de cet algorithme c'est que en fait le problème de cet algorithme c'est qu'il est aléatoire, c'est que si on le lance deux fois on va pas avoir le même résultat forcément. Du coup on lance 20 partitions avec l'algorithme. Et après, on sélectionne la meilleure partition heuristique qu'on appelle l'indice de Kalinsky-Ravaz. En gros, plus élevé, plus la partition est censée être bonne. Et du coup, on garde la meilleure. Ensuite, l'auto-encodeur. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut déjà, en fait, il faut implémenter manuellement en fait, le réseau de neurones qu'on a vu. Donc ça se fait en Python, par exemple, avec une librairie qu'on appelle TensorFlow qui est faite pour ça. Ça prend du temps. Déjà, en plus, à optimiser, c'est bon parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire derrière ces choses-là. Et en plus, il faut ajouter ce qu'on appelle les hyperparamètres du modèle, par exemple. On a vu voilà, qu'il y avait plein de couches dans le modèle, qu'il y avait plein de neurones par couche et tout ça, et que ces décisions, il faut les prendre. Il faut dire combien on met de neurones par couche, combien on met de couches, etc. etc. Et donc ça, c'est une décision qu'il faut un peu, en gros, il faut le faire au pif. Il faut en essayer plein pour regarder celui qui marche le mieux et puis regarder celui qui marche bien, en gros. Il y a des choses un peu plus subtiles à faire, mais ça, c'est l'idée. Hein. Et après, voilà, une fois qu'on a obtenu cette partition, qu'on a obtenu notre auto-encodeur, en fait, et bien, on va prendre notre encodage. Et après là, on va faire un Kamin multivarié traditionnel comme on pourrait le faire avec n'importe quelle librairie. Mais dans une approche similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va lancer sur cet encodage 20 partitions Kamin et on va prendre la meilleure au sens de l'indice de Kalinsky-Ravaz. Donc une fois qu'on a ça, en fait, en gros, vu que toutes ces méthodes font en fait ce qu'on appelle des clusters sphériques, on peut, pour visualiser un peu ce qui se passe dans ces clusters, faire ce qu'on appelle, enfin, profiter en fait les courbes moyennes pour chaque cluster. C'est-à-dire qu'on prend toutes les... Donc toutes les trajectoires qui appartiennent à un même cluster, on prend leur moyenne et on regarde cette courbe, et en gros elle est censée indiquer à peu près ce qui se passe pour tout le monde. Et en fait ce qui est intéressant, qu'on peut voir déjà juste en plottant du coup cette chose-là pour les trois méthodes, c'est que en fait, on peut identifier, de manière qualitative déjà en fait il se passe à peu près la même chose, dans le sens où là on les avait de même couleur, il y a dans chaque méthode des courbes qui se ressemblent en fait. Voilà, par exemple la courbe verte elle reste très haut, la courbe jaune elle est tout en bas et elle monte un petit peu, etc. Et du coup en fait on a réussi de manière qualitative en fait à associer une courbe dans chacune des un concept dans chacune en fait des différentes méthodes. Et maintenant en fait l'idée ça va être d'essayer de quantifier à quel point est-ce que ces trois méthodes sont d'accord. Est-ce que bon, c'est bien joli de dire ça ressemble quoi. Et en fait pour faire ça en fait on va essayer de enfin, on va s'intéresser en fait à la corrélation des probabilités d'appartenance à un cluster donné dans les trois approches. Ça veut dire que voilà, pour Proctrage, pour KML et pour l'auto-encodeur, on va essayer d'estimer une probabilité pour un cluster donné d'appartenir pour tous les points à ce cluster. Du coup, pour chaque méthode, on va se retrouver avec donc 6 variables quantitatives qui sont des probabilités. Et après en fait on va calculer les corrélations et du coup l'idée c'est que si l'appartenance d'un premier cluster, par exemple, vert,
dans le programme de travail, elle est très corrélée avec celle d'avoir fini au cluster vert de l'auto-encodeur et que c'est pas corrélé avec les autres, ça veut dire qu'ils sont à peu près d'accord. Qu'ils disent, en fait, qu'en gros, qu'ils attribuent chacun des observations dans les mêmes clusters. Et du coup, voilà, donc pour calculer les probabilités, donc pour le trash, vu que c'est des mixtures gaussiennes, donc déjà les probabilités, c'est de manière naturelle. KML, dans le package R, en fait, il y a déjà une façon de les calculer. Et après, l'auto-encodeur, on les a calculés à la main. Du coup, on dit que donc, chaque cluster, il est généré par une distribution gaussienne dont on estime les paramètres à partir de donc à partir des membres du cluster. Et par contre, ça, on le fait sur l'encodage, on ne le fait pas sur les trajectoires. Et du coup, après, une fois qu'on a nos probabilités, donc, on peut regarder un peu trouver nos corrélations. Donc ça, c'est une projection en fait, de nos corrélations sur, sur une sphère. Et du coup, qui permet bien de visualiser en fait, un peu les relations entre chacune des variables. Du coup, en gros, plus on est proche, plus on est corrélé. Et du coup, là, en fait, on voit bien qu'on a ces assemblements, en fait, à chaque fois, de trois clusters qui sont disséminés sur la sphère. Bon, il y a un cluster A qui marche un peu moins bien que les autres. Ça arrive parfois, je pense. Mais voilà, du coup, en fait, ils sont quand même d'accord. On a des bonnes corrélations entre tout le monde. Et du coup, en fait, c'est cool parce qu'on peut à peu près conclure que les trois méthodes sont d'accord. Elles ne font pas exactement la même chose parce que, bon, elles n'ont pas la même approche, elles ne posent pas forcément toutes les mêmes hypothèses. Et qu'en plus, il y a un aspect probabiliste dans les résultats qu'on obtient dans chacune, mais les résultats sont cohérents suffisamment, on trouve en tout cas, pour dire que c'est correct. Oh, je dépasse un peu, par contre, pour mettre des pages. Alors, donc pour la deuxième méthode, cette fois-ci, pour montrer donc, un cas dans lequel, en fait, notre méthode, elle marche mieux que les méthodes traditionnelles, on a simulé un petit jeu de données de mesures de qualité de vie chez des patients cancéreux. Du coup, on a deux groupes. Un groupe A, en fait, qui reçoit un traitement tous les 4 mois. Du coup, ce que ça fait, c'est qu'on voit, avec les effets secondaires, une diminution de la qualité de vie au début de la prise du traitement. Après, une augmentation de la qualité de vie qui est due aux effets bénéfiques du traitement. Puis une stabilisation. Et après, en fait, on reprend le traitement et du coup, on fait le même cycle. Du coup, on va se retrouver avec un truc un peu sinusoïdal, un peu cyclique. Et le groupe B, lui, reçoit un traitement continu. Du coup, il a une qualité de vie un peu stable. Du coup, en gros, voilà, ça, c'est juste un peu de mots en français pour exprimer ce truc-là. Du coup, le groupe A, en fait, c'est des trajectoires qui sont sinusoïdales avec du bruit à la fois dans la phase et sur l'amplitude. Et après, le groupe B, voilà, c'est juste c'est une constante avec un peu de bruit. Du coup, là, en fait, on n'a pas fait PropTrack parce que j'ai pas ça sur mon PC, du coup, je n'ai pas pu le faire. Mais on a pu faire KML. Du coup, en fait, et on voit, en fait, KML, si on suit la même méthodologie qu'on a suivie pour la première, pour le premier jeu de données, et puis, en fait, ça marche pas très bien. Enfin, ça marche pas aussi bien, enfin, ça marche mieux que ce qu'on pensait. Mais ça marche pas bien en fait. Par exemple, lui, ce qu'il considère comme la meilleure partition, en fait, elle est à 7, pardon. Il y a 7 clusters dedans. Alors qu'on a vu clairement qu'il y a deux groupes dans notre chose et que du coup, ça marche pas. Après, en fait, quand on regarde bien les clusters, par contre, ben, on voit déjà que le premier, là, celui qui est à 50%, c'est exactement notre groupe B, qui est avec les gens constants et avec un peu de bruit. Et qu'en fait, les autres, ça reste des sinusoïdes encore une fois, et c'est juste qu'en fait, il a fait par phase. Enfin, dès qu'il y a un tout petit peu de décalage dans la phase, il considère que c'est les mêmes, mais il n'arrive pas à comprendre que tout le monde, c'est des sinusoïdes qui sont juste translatés dans le temps comme ça. Alors qu'en fait, et là, en plus, on voit dans la visualisation ça, en gros, c'est le plot donc, de l'encodage de l'auto-encodeur qui est appliqué au jeu de données. Et du coup, là, on voit carrément tout de suite qu'il y a deux groupes, et on voit notamment cette idée dont je parlais, donc de cluster non sphérique, qui est que, en fait, par exemple, dans nos trajectoires, en fait, par exemple, les trajectoires qui vont être déphasées à 90% dans les sinusoïdes, à 90 degrés, pardon, en fait, elles vont être très loin l'une d'entre elles d'un point de vue distance euclidienne, elles vont être plus proches d'un point de vue distance euclidienne des droits de constance que des autres sinusoïdes, parce que bah, c'est comme ça que ça marche, bah, c'est mal fait, enfin c'est pas fait justement pour ces histoires de corrélation. Et que là, en fait, lui, l'auto-encodeur, il a compris tout de suite qu'il y avait une histoire, justement, sinusoïde avec voilà, un cercle comme ça, quand on se retrouve avec un cercle, c'est qu'il y a des sinus quelque part, qu'il y a des histoires de piles, il y a des angles, et quoi, il a centré au milieu donc, toutes nos variables constantes, et il a mis sur un cercle autour toutes nos variables sinusoïdales, et du coup, on voit clairement qu'il y a deux groupes, même si ce n'est pas des clusters sphériques, et que du coup, il n'est pas adapté, par exemple, d'utiliser une représentation par groupe de trajectoire moyenne là-dedans. Mais, enfin, en tout cas, la méthode est clairement supérieure, parce qu'on a réussi à trouver nos deux groupes et qu'on pourrait clairement identifier après nos deux groupes. Donc là pour conclure rapidement, donc on a défini une méthode d'extraction et de visualisation de trajectoires qu'on appelle donc l'auto-encodeur sous-complet récurrent. Alors il y en a d'autres qui sont plus compliqués et qui marchent un peu mieux, mais on n'a pas forcément le temps de tout voir non plus. Après bon là, le problème de ces trucs-là, c'est que ça nécessite quand même des tailles d'échantillons qui sont très importantes et des ressources informatiques qui sont aussi conséquentes. C'est-à-dire qu'il faut des ordinateurs et des cartes graphiques pour faire du calcul parallèle et c'est compliqué.
compliqué, puis il faut le coder, et puis on fait des erreurs, et puis ça prend du temps. Et par contre, donc, ce qui est bien, c'est que dans les cas simples, ça reste quand même cohérent avec les méthodes traditionnelles. Du coup, quand, si on veut valider des résultats, par exemple, on peut faire comme ça. Et en plus, il y a ce côté en fait, qu'on peut s'adapter en fait, potentiellement à n'importe quel problème, comme on l'a vu avec l'histoire du théorème d'approximation universelle, et qu'on n'a pratiquement pas d'hypothèse particulière à poser pour faire la modélisation de données dans ce framework-là. On peut par exemple voir, on a pu faire du sinus comme on a pu faire des clusters sphériques, et qu'en gros, potentiellement, on peut tout faire avec. Quoi. Et voilà, merci beaucoup. Une demi-heure de questions. Si je te comprends bien, nous on est. Enfin, si je te comprends bien, pour l'instant, il n'y a rien de simple qu'on puisse nous utiliser en tant que non-informaticien. Alors, non en fait, plus ou moins. Alors, attends. Bah, en fait, là, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est relativement récent, effectivement. Du coup, il y a pas, ça reste dans l'univers un peu des codeurs, effectivement, en France. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est quand même quelque chose qui peut s'exporter un peu n'importe où, et que les gens sont en train de voir qu'il y a cette idée qui peut être intéressante d'utiliser, notamment chez des non-codeurs, et que du coup, on est vers l'élaboration de librairies qui sont plus simples d'accès, notamment TensorFlow, moi que je code en Python, parce que je code. Ça existe en R aussi en fait maintenant, et notamment avec des librairies de très haut niveau, où par exemple au lieu de coder le truc à la main de manière un peu compliquée, on lui dit je veux une couche de réseau, je veux une couche de réseau comme ça, je veux une là comme ça, je veux un truc un peu simple, et puis après on peut appuyer sur un bouton et ça nous fait un truc. Mais pour l'instant il faut quand même, ça demande une expertise effectivement, ça demande par exemple pratiquement un ingénieur spécialisé qui soit là pour l'utiliser avec vous quoi. Mais d'un autre côté on peut dire que maintenant avec toutes les histoires de big data qui arrivent, ça va de plus en plus être le cas parce que les données vont être monstrueuses et que bon, on ne va plus forcément pouvoir faire quelque chose de simple tout seul, parce que ça, le problème d'analyse de données devient de plus en plus compliqué. Mais que dans les cas un peu simples, on arrive aussi quand même à des choses qui sont utilisables un peu par tout le monde. C'est aussi une volonté qu'il y a chez les codeurs, chez la communauté un petit peu. Je ne sais pas si ça répond bien. Si, ouais. Très bien. Pour les IMC que Sylvain tout à l'heure, ça pourrait être sympa. Justement, tu ne pouvais pas les voir avec ça, tu pourrais les voir. Oui. Une trajectoire, c'est des points pour du temps. Est-ce qu'il faut que les points soient régulièrement espacés ou est-ce que ça peut gérer des points qui seraient irrégulièrement espacés et en plus irrégulièrement espacés selon les individus? Ouais. Bah, après ça c'est très souple. Comme méthode, du coup, on peut se débrouiller pour faire un truc. Mais alors là, comme ça, directement, je ne saurais pas, il faudrait regarder... Alors on peut faire des points irrégulièrement espacés si tout le monde est irrégulièrement espacé exactement comme ça. Après, si tout le monde n'est pas espacé de manière tout pareille, je pense qu'il faut... Mais par exemple, si tu rajoutes juste, par exemple, l'espace entre la période d'avant et celle de maintenant, je pense que rien qu'avec ça, ça va en fait. Mais il faudrait regarder de manière un peu plus... Je pense que personne ne s'est trop posé cette question de manière... Voilà, comme ça. Normalement, par exemple, on utilise ça pour faire du texte ou de l'audio, en fait. Et du coup, l'audio, c'est séquencé de manière constante. Le texte, il n'y a pas trop de concepts comme ça. Du coup, mais il y a des choses, enfin, je pense que c'est possible de faire quelque chose, effectivement. Il y a quelqu'un derrière, je crois. Il y avait aussi le problème de la taille des échantillons, mais en fait c'est pas fait, par exemple pour les 80 000 femmes, ça n'a pas été fait sur 80 000 femmes, puisqu'il faut tester, il faut entraîner le modèle sur une sous-partie, puis après il faut le tester sur une autre sous-partie, et après il faut corriger pour la variance et vérifier si on n'a pas... Alors ça c'est vrai pour les modèles prédictifs en fait, mais là t'es en encodeur en fait. Genre, en fait, t'es pas en train de prédire quelque chose, du coup le concept de surajustement par rapport à ça est pas forcément applicable de la même manière. Typiquement, en fait, si tu fais un encodage, en plus, dans l'idée du clustering, il y a quand même un petit côté quand même qui reste subjectif, et qu'est-ce que je veux organiser mes données de manière à pouvoir les comprendre en fait, et que si l'encodage te fait comprendre quelque chose d'intéressant dans tes données, c'est déjà bien. Après, j'ai contrôlé les trucs après, mais l'idée c'est que si ton... comment dire... Donc ouais,
cette idée-là de surajustement et de choses comme ça, donc en fait tu peux l'utiliser effectivement pour contrôler un auto-encodeur de manière à t'assurer qu'il ne fasse pas de bêtises, mais c'est pas la meilleure méthode en fait, c'est pas la meilleure approche, notamment parce qu'en fait si tu contrôles pour le overfitting sur ta reconstruction, tu vas t'assurer que tu n'as pas de surajustement par rapport à ta tâche de reconstruction, sauf que ce qui t'intéresse c'est pas la tâche de reconstruction, c'est la tâche de fabriquer une bonne représentation à l'intérieur. Et le problème c'est qu'on n'a pas de quantification de ce que c'est qu'une bonne représentation. Et du coup, en gros, ce qu'on fait pour justement valider qu'on ne fait pas de bêtises sur l'encodage, c'est qu'on va le regarder à la main de manière qualitative, en gros, pour l'instant. Ce qui est un peu sale, mais il n'y a pas trop d'alternatives pour l'instant. Quoi. Mais du coup, le but, c'est pas vraiment de comprendre mieux les données, c'est finalement d'arriver à mieux les séparer pour les analyses de trajectoire. Alors, pour le clustering, ouais. Là, effectivement, on est sur un truc un peu différent, c'est que l'encodage ne se fait pas de manière à mieux séparer les données, il se fait pour de manière à les représenter sans poser d'hypothèse. Après, si tu veux vraiment les séparer de manière un peu brutale, d'arriver à les séparer, il y a des méthodes, mais là, pour le coup, c'est des papiers qui sont publiés il y a 2 ans, c'est beaucoup plus mateux, j'ai pas le temps d'expliquer en une demi-heure, et qu'en plus, même de nos jours, en fait, il y a des problèmes au niveau de l'optimisation qui font que ça marche pas bien. Et du coup, je pense que pour l'instant, ce genre de choses, c'est déjà pas mal, pour au moins ne serait-ce que déclencher un dialogue, parler d'un truc différent et tout ça, quoi. Mais du coup, tu obtiens des trajectoires, mais en fait, c'est ininterprétable, parce qu'il y a plus de paramètres que de données, au final. Mais l'histoire de plus de paramètres que de données, ça marche quand t'es en linéaire, tu vois. C'est parce que tu vas avoir justement cette histoire d'extrapolation. D'interpolation, pardon, et là en fait t'es pas dans ce cas-là parce que peut-être t'as des barrières en fait non linéaires qui vont en fait enlever un peu ce problème d'algèbre linéaire qui est limité dans ton truc. Le problème de, à chaque niveau, t'as des paramètres linéaires et tu as potentiellement énormément de niveaux, déjà il y en a un par temps, puis un par niveau de neurones que tu vas utiliser, et ces niveaux de neurones c'est aussi des hyperparamètres que TensorFlow décide pas pour toi. Non, bien sûr. Donc ça fait encore énormément de paramètres, et après pour interpréter les résultats... Ah, tu veux dire interpréter ce que l'encodage raconte, ouais. Alors c'est pas impossible, c'est dur, c'est super dur même, mais il y a la recherche qui se fait là-dedans, il y a des trucs par exemple, l'histoire de la visualisation des réseaux de neurones à convolution pour l'analyse d'image, hein. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la théorie de maximum d'activation, où tu vas regarder des choses. Tu as un truc qui a été sans doute publié il y a genre un an ou deux, un truc comme ça, qui s'appelle le Deep Taylor, qui est intéressant pour ça aussi, pour justement trouver quelles variables ont eu le plus d'impact dans la prise de décision finale, des choses comme ça. Tu as des approches pour essayer maintenant de décortiquer ces modèles. Mais c'est vrai qu'à la base, tu as vu que c'est développé par des ingénieurs comme truc, tu veux un truc qui prenne de l'audio et qui fasse du texte, tu t'en fous de comment il le fait derrière. Et du coup, il n'y a pas effectivement cette démarche de compréhension du modèle de manière naturelle qui soit intrinsèquement dedans. Quoi. Mais on est, ça bouge. On est en train d'essayer de... C'est pas le problème du machine learning, en fait. Oui, c'est Blackbox. Enfin, pas tous, tu vois. Un SVM, c'est pas Blackboxy, tu vois. Mais ça, c'est une Blackbox, ouais. Mais bon, on se débrouille pour faire les trucs maintenant. Le classement là, le dernier exemple où on voit la cocarde. De fait, pardon, le dernier exemple où il y a d'une part. D'une part il y a des trajectoires linéaires, mais d'autre part il y a des trajectoires qui sont. De fait, ça ne marche que parce qu'il y a une couche supplémentaire qui arrive à se rendre compte que. Il y a une complexité, parce qu'en fait, ce que fait le classificateur, on va dire, classique, ouais. Ils ne se rend pas compte qu'il y a une analogie entre toutes ces trajectoires. Bien sûr, oui, parce qu'il n'en est pas capable. Mais ça suppose qu'on rajoute des couches supplémentaires dans le système neuronal pour qu'il puisse finalement intégrer cette ressemblance entre les différentes trajectoires. Alors oui, il y a du vrai là-dedans, mais c'est surtout l'idée qu'en fait le réseau de neurones récurrent, lui, il est fait justement pour comprendre l'évolution dans le temps, et que du coup, lui, il est capable en fait de comprendre que c'est des sinusoïdales, et il s'en fiche si c'est déphasé ou pas, il va juste avoir un paramètre justement qui fait que ça tourne comme ça dans l'encodage, pour dire, alors lui il oscille, mais il commence avec une phase à pi sur 2. Alors, lui aussi, il a une phase à pi, lui, à 3/4 de pi, par exemple. C'est la récurrence qui fait ça. Ouais, justement, c'est la capacité du réseau à prendre en compte la relation qu'il y a entre les variables temporelles et la temporalité en fait, des données, quoi, de la trajectoire. Non, je suis assez, effectivement, aussi impressionné par
par la puissance, mais aussi par le vocabulaire. On parle de neurones, on lui fait apprendre quelque chose, enfin, c'est une personne, quoi. Ouais, donc il y a quelque chose de marketing derrière qui est assez formidable. Ah là, c'est pas marketing, c'est un truc de matheux en fait. C'est non, les matheux font aussi du marketing, c'est pas grave, mais, ils vendent intelligence artificielle, neurones, etc. Ça fait penser à quelque chose qui est un peu surnaturel, ou du moins à peu près comme pourrait faire un humain, ce que jamais on a réussi à faire maintenant. Mais c'est un tas de détails, mais quand même, on peut tout faire avec. Bah alors, j'ai pas dit qu'on pouvait tout faire, j'ai dit qu'on pouvait modéliser n'importe quelle fonction, ce qui n'est pas la même chose quand même. Parce que par exemple, si tu vas dans les trucs un peu théoriques, par exemple, avec de la vraie intelligence artificielle, voilà, est-ce qu'on peut faire de la fine de Turing avec un truc comme ça, c'est pas sûr. Mais et après en fait au final, il y a quand même des algorithmes comme ça qui sont tellement forts au Go, qui battent tous les humains possibles et même les plus forts, et qui quand les humains maintenant les voient jouer, comprennent même plus ce qu'ils sont en train de faire les ordinateurs. Donc ouais, c'est quand même massivement puissant. Je pense que c'est la première fois depuis toujours qu'on peut commencer à parler d'intelligence artificielle dans le sens où ils commencent à prendre des vraies décisions qui sont cognitivement demandantes, alors qu'avant, effectivement, on avait un détecteur de spam qui était en plus qui marchait pas très bien. Là, on avait quand même des voitures qui se conduisent toutes seules, des ordinateurs qui commencent à battre les humains sur des trucs qui, d'un point de vue intelligence, on pensait pas que ce soit possible. Peut-être derrière, il y a ce qu'on appelle intelligence qui n'est pas tout à fait bien définie. Oui. Mais bon. Parce que quand même, c'est dans ce que vous avez dit, mais c'est comment dire, c'est une limite sans être forcément... voilà, c'est très bien, encore une fois, je dis que c'est puissant, mais quand il y a marqué qu'il n'y a pas d'hypothèse et tout ça, moi j'arrive pas à y croire. C'est-à-dire que il y a forcément quelque chose là-dedans, ne serait-ce que de définir une distance. Et forcément, mais justement, en fait... je sais pas, donc il y a forcément des choses comme ça, et puis, quelque part, quand on comprend pas ce que fait la machine, est-ce que ça veut dire qu'on a compris le phénomène? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'avoir quelque chose qui est notre réflexion scientifique habituelle, de comprendre un mécanisme, parce qu'en fait, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de pouvoir avoir des moyens de le modifier, quand il s'agit de maladies, quand il s'agit de comportement, quand il s'agit de faire des modifier, enfin en tout cas, de comprendre ce qu'ils font. Donc là, ça sûrement, ça prédit très bien. Je vois bien comment, pour ça que je parlais de marketing un peu, quoi, comment on reçoit sur Internet comme publicité est très bien ciblée. Enfin, je veux dire, on voit bien quand on a fait une commande de quelque chose, enfin, dans le cas simple, on voit bien qu'on a tout un tas de choses qui sont périphériques qui arrivent en même temps. Donc ça marche bien, mais est-ce qu'au-delà de ça, on comprend le mécanisme, qu'on soit capable de dire quelqu'un qui a tel profil, voilà ce qu'il va acheter, voilà, enfin, ou comment il va se comporter, ça, d'accord, de la comprendre. Mais c'est encore une fois, enfin je veux dire, c'est juste pour arriver à séparer un peu les choses. Oui, bien sûr. Les modèles épidémiologiques ne sont pas des modèles explicatifs. Non, mais les modèles épidémiologiques qu'on utilise habituellement. En tout cas, quand ils en ont pas, moi je suis gêné, ils ont des paramètres, on essaie de comprendre ce que veulent dire les paramètres, quel sens ils ont. Et quantitativement, quel sens ils ont. Donc il y a derrière, qui est peut-être fruste, qui est peut-être pas parfait comme façon de décrire et de comprendre, d'accord, mais il y a quelque chose qu'on essaie de comprendre. Là, j'ai l'impression que, ce que je disais tout à l'heure, on est au départ, on est à l'arrivée, ce qu'on a envie, c'est que l'arrivée soit bonne. Ouais, mais après, l'idée, c'est que bah, déjà, ça peut être utile parfois, ne serait-ce que pour établir des scores de compensation, des choses comme ça. Et en plus, comme je disais avant, on arrive quand même un petit peu maintenant à essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et l'idée, c'est que, bah, justement, j'arrive avec ça ici, et c'est pas trop adapté au concept de l'épidémie, mais c'est parce que personne n'y a jamais réfléchi. Et que du coup, peut-être qu'il y a un truc à faire aussi. C'est ça aussi l'idée, c'est commencer à discuter, tu vas dire, voilà, bon là, c'est pas super adapté, mais il y a quand même des trucs intéressants à regarder dedans. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Et puis voilà, je pense que, de toute façon, quand tu arrives sur des bases de données comme le SNDS par exemple, qui sont tellement monstrueuses, tu peux pas essayer d'aller décortiquer les trucs et de bien comprendre, il y a trop de trucs dedans, quoi. Et du coup, aller décortiquer à la main et regarder les paramètres et tout ça, bah, au final c'est un peu la même chose, ça va être compliqué de réussir à en faire du sens, et que ça se trouve c'est pas possible d'en faire du sens sans un truc comme ça. Et que du coup, est-ce qu'on se bloque sur l'interprétabilité pour et que voilà, on dit voilà, on a une super base, on pourrait faire des trucs super avec, mais quand c'est pas interprétable, du coup on le fait pas. Mais c'est une discussion encore qu'il faut avoir. Je suis pas là pour dire c'est super et on arrête tout, hein. Mais voilà, je pense qu'il faut que c'est bien de discuter de ça, quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière qui... Oui, bonjour. Excusez-moi, on parle souvent de la carte Cohen comme méthode également pour... Excusez-moi, j'ai pas bien compris. La carte de Cohen, je sais pas si...
non, c'est quoi? Enfin, tu pourrais décrire un peu plus? J'ai l'impression que ça utilise également toute une machinerie de réseaux de neurones pour faire du deep learning. Oui, mais après, ouais. Il y a beaucoup de choses différentes en deep learning. C'est une grosse famille de choses quand même. Quoi. Non, mais... Voilà, ben, vu que vous ne connaissez pas la question, c'était de savoir si du coup vous savez comment ça s'utiliser. Ah bah du coup je pense pas que ouais, voilà. Pour vous aider à voilà. Ok, merci. De rien. Là, pour rebondir sur le débat tout à l'heure, dans le cas que tu donnes avec des données réelles, moi je ne suis pas sûre qu'il y ait une perte d'information par rapport à proctrage par exemple. Le proctrage, j'ai les mêmes réticences. D'accord. Comment ça, qu'il n'y a pas de perte de données par rapport à... Bah, perte d'information par rapport à... Bah si, justement, c'est le proctrage que tu pars sur une régression paramétrique, en fait. Et que du coup, bah, selon ta pose d'hypothèse sur tes régressions paramétriques, tu te dis, voilà, genre, est-ce que je fais... Voilà, ça, on l'a vu tout à l'heure, c'était genre, j'ai cubique, je passe sur quadratique, je passe sur linéaire, et que bah, du coup, tu fais une régression polynomiale de degré 4, quoi, à tout casser, quoi. Et là, on est sur un truc qui est un peu plus... Pour un clinicien, en termes d'interprétabilité de tes trajectoires, que tu les aies obtenues par proctrage ou que tu les aies obtenues... Ouais, mais en fait, ça se trouve, tu fais une erreur en utilisant proctrage, et que justement, t'as pas un grain assez fort dans ta modélisation, et que du coup, t'as un bug par rapport à ça, en fait, quelque part. Un peu comme, tu sais, on parlait tout à l'heure de l'histoire du zigzag, on n'arrive pas à voir, bon, là, c'était sur la granularité d'observation. Mais si on fait une méthode qui marche en moyenne et qu'il y a des sinusoïdes dedans et que c'est important de les voir, et ben si on fait voilà, si on fait du quadratique par exemple et qu'il y a 15 sinusoïdes, bah avec, voilà, avec une cubique on va pouvoir en faire deux quoi, et du coup on va pas bien voir les trucs, et, alors que là on peut les voir par exemple. Quoi. Du coup, il y a toute une granularité en fait de la fonction qu'on observe qui passe à la trappe parce qu'on n'a pas fait les mauvaises hypothèses paramétriques en fait. Et que là, avec ce truc-là, on peut les faire. Quoi. Si on ne fait pas les bonnes hypothèses paramétriques, c'est parce qu'on ne connaît pas bien ces données. Et donc, ouais. Ce que disait Léon, c'est qu'on n'a pas l'intelligence des données, qu'on ne sait pas que le phénomène auquel on s'intéresse. Bien sûr, mais là justement, c'est pour ça que c'est... Donc là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, ça le retrouve. En tout cas, ça retrouve, ça le gère. Je ne sais pas si ça le retrouve, ça le gère. Ça le gère. Et donc, d'une certaine façon, n'importe quel idiot peut être plus sur ça. Voilà, un petit peu, effectivement. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas, parce que en fait le problème c'est pas tant d'avoir le meilleur modèle qui fit le mieux et comprend mieux les données, mais c'est de nous arriver à comprendre quelles sont du coup les variables d'intérêt quitte à perdre en information. Enfin, bien sûr, mais ça c'est pour ça que ce que je disais par rapport à ça, c'est que même si. Quoi, quoi, vas-y, je fais ce qu'il y a. Non, mais par exemple pour les sinusoïdes, du coup ça aide à comprendre qu'il n'y a pas seulement pas seulement une tendance mais aussi une périodicité, mais cette périodicité on ne sait pas non plus avec tout le problème du paramètre et du multiniveau, on ne sait pas non plus l'expliquer et savoir d'où elle sort au final. Non, là non effectivement, mais déjà on arrive quand même mieux à visualiser sur la donnée, ce qui est déjà pas mal, parce que dans l'autre on n'arrive pas à la voir non plus au final. Sur un modèle naïf, on a des paramètres. Ouais mais tu vois qu'ils sont tellement biaisés qu'ils n'ont aucun sens. C'est pas ouais, dans les cas comme ça. C'est parce qu'on arrive à dégager une tendance et après, effectivement, il s'est biaisé. Ouais. Mais du coup, l'idéal, c'est d'arriver à avoir les deux. Bah ouais, bien sûr, il y a des gens qui travaillent pour ça, mais oui, ça prend du temps. Je suis bien d'accord, c'est pas une critique. Je suis vraiment pas convaincu. Hein. On sait par exemple qu'avec les métadonnées de téléphone, c'est-à-dire pas les contenus des conversations, mais qui on appelle, à quelle heure, etc., qu'on arrive à peu près à définir le profil de quelqu'un en termes d'opinion politique, religieuse, etc. On n'a pas les variables qu'il faut pour comprendre ça. On a juste qu'il va marcher pour prédire. Mais ça permet rien de comprendre. Ça, après, bien pour la ça fait du profiling, donc en quelque sorte, peut-être que nos conversations, le texte, c'est ce qu'on utilise, c'est la manière de formuler. Ah oui, mais il y a certainement une idée derrière soi-même. Il y a une idée de description en disant quand on a suffisamment de données, c'est-à-dire qu'on est suffisamment capable de partager des choses, on arrive à prédire. Bon, ok, on prédit, mais en termes de comprendre pourquoi c'est comme ça, je ne crois pas qu'avec ça, c'est pas automatique. Ah non, on ne comprend et pas. Du coup, ça ne permet pas forcément de déterminer quelles sont les bonnes variables. Il y a encore besoin d'intelligence humaine pour déterminer les variables. Oui, mais ceux qui font ça, ils ne cherchent pas à comprendre, ils veulent juste avoir du profiling et interpréter à partir d'un usage. Mais c'est ça juste que je voulais dire. Tant qu'on ne cherche pas à comprendre, oui, pour l'interprétation, ça va faire.
ça doit marcher. Si on veut comprendre, eh ben, il faut faire attention à les autres gens. Non, il y a un côté magique. Dans l'evidence-based medicine, si on reste sur la médecine, il y a le côté théorique qui est fait à partir de l'épidémiologie, de la description, de la compréhension physiopathologique des maladies, etc. Et il y a le côté instinct clinique et expérience du clinicien. Et ça, c'est un peu une boîte noire aussi. On peut très bien imaginer que ça puisse être utile dans ce genre pour supplanter une expérience clinique personnelle par une espèce de boîte noire un peu plus... Franchement, ça me fait. C'est déjà le cas, pour les radios aussi. Moi, je veux bien, quand je parle avec quelqu'un, j'aime bien pas parler avec une machine, quoi. C'est pas pareil. Oui, mais sur par exemple des examens d'imagerie très systématisés, de dépistage. Ça, c'est pas l'instinct clinique, ça. C'est ce qui l'a remplacé progressivement. C'est pas ce qu'on appelait l'instinct clinique. C'est pas un médecin qui voit un patient et qui le voit dans son ensemble, etc. Il a des images, il a des résultats biologiques, etc. C'est utile, hein, tout ça. Si ça peut permettre de prédire des choses. Ah, mais oui, prédire, parfait. Comprendre. Mais je pense que c'est pas forcément le but. Mais c'est tout ça. C'est pas une. Je veux dire, il n'y a pas une attaque contre ces méthodes en disant ça ne sert à rien. C'est juste. Parce que c'est pas la première fois qu'on entend des méthodes magiques qui font tout, et où je me dis, elles font plein de choses, il faut s'en servir comme ça. Elles font pas de recherche pour les chercheurs, ça c'est sûr. Ah non, pourquoi pas, ça peut non, mais elles n'expliquent pas les choses. Par contre, ça peut être un outil formidable, je pense. Enfin, je suis pas sûr, par exemple, sur des données d'assurance maladie, on en tire autant que ce qu'on imagine maintenant, juste parce qu'elles sont grosses. Je voulais revenir sur mon côté. À la fin, dans Codon, il distingue deux groupes. Tu veux dire où ça? Celle-là? Il y a deux groupes. Celle-là? Oui. Ouais. Est-ce qu'il est quand même capable de nous dire, enfin en tout cas, est-ce qu'en regardant ce qu'il y a dedans, est-ce qu'on est capable de repérer qu'il y a un phénomène périodique ou pas? Bah alors là, c'est de la pression subjective en fait. C'est quand je dis il y a un truc, il y a un sinusoïde quelque part, c'est parce qu'en gros, c'est le cercle, en fait, ça fait sinusoïde en fait, de la trajectoire, mais ça c'est l'instinct en fait comme truc quoi. Là, t'as pas de méthode comme ça pour dire. Mais après, l'idée c'est que c'est l'instinct et qu'après, du coup, tu peux tester. Tu peux poser une vraie hypothèse derrière toi et puis regarder les choses quelque part quoi. Mais en fait c'est la visualisation, quoi. Jamais une visualisation elle a servi de test d'hypothèse en pratique, mais ça te permet d'avoir un insight sur ton jeu de données quand même, quoi. D'essayer de trouver des choses que tu ne peux pas voir forcément en regardant directement dans les yeux. Quoi. Donc on va donc un peu plus loin que de dire simplement il y a deux groupes, deux trajectoires, il y en a une qui est... Voilà, on a en plus potentiellement, en dépendant de la subjectivité du praticien, on a possiblement quand même une espèce de pattern qui est déjà présent dans le truc en fait. Sinusoïdes, elles se finissent en pattern avec un cercle. Pardon ? C'est une question con. C'est normal. Est-ce que toutes les trajectoires sinusoïdes se finissent en pattern ? Est-ce que tout... Alors c'est toutes des sinusoïdes comme ça, avec du bruit un peu, du coup c'est pas parfait. Est-ce que chaque fois qu'il y a un phénomène de récurrence sinusoïde, ça va se finir avec un pattern ? Alors, est-ce que c'est systématique ? C'est tout le problème de l'idée du fait que la fonction objective qu'on a n'est pas convexe. Et que du coup, en fait, il y a des histoires de maximum locaux et de choses comme ça, et que du coup, on n'a pas forcément le même modèle deux fois quand on le lance. Mais après, en pratique, c'est là que je vais le lancer 15 fois, et je vois la même chose. Du coup, pour l'instant, toutes les sinusoïdes, mais ça, c'est pas une preuve, hein. C'est pas, j'ai pas une preuve mathématique avec un théorème qui dit si elle se morcille et tout ça. Mais j'ai jamais eu de problème de maximum locaux qui me donne un truc qui soit complètement différent. C'est tout le temps à peu près la même chose, et ça se passe comme ça. Pour ce jeu de données-là, après, peut-être pour un autre jeu de données, il va se passer quelque chose de différent. La question c'était pour le jeu de données qui pourrait être un peu quelques valeurs sur certains phénomènes. Voilà, l'idée c'est que si tu translates ton jeu de données ou tu le dilates ou tu le compresses, des choses comme ça, que tu fais des homothéties ou des translations, je suis à peu près sûr que ça ne devrait pas changer. J'ai pas testé, mais il n'y a pas de raison que ça change quelque chose en fait à l'encodage en lui-même. Quoi.